Hello tout le monde, c'est Nessendil sur Arc. Bon, il y a énormément de choses à faire. On doit crafter, on doit faire. Bah, plus bois. On doit faire une étable, on doit faire une nurserie, on doit faire une future écurie pour ranger un petit peu tous nos bestiaux. On doit aller tamer encore tellement d'espèces et on doit. Il y a trop de choses à faire. Franchement, pour le moment, je m'éclate. J'aime vraiment beaucoup cette map. C'est vraiment super chouette. Je crois qu'on va aller tamer. Je crois qu'on va continuer à tamer et à explorer. Il faudra vraiment que je me pose pour craft. Comme je joue en local, l'avantage c'est que bah, c'est éteint quand je suis pas là. Donc nos petits œufs là, ils vont bien, c'est tranquille. On a le temps de les faire éclore. Ça pourrit pas quand je suis pas là. Du coup, bon, lui on le laisse là. Petit piou. Et j'ai du miel, j'ai des carottes dans notre plumeau là. Et je crois qu'on va repartir. J'ai pris le tigre, j'ai pris les potions de neige. Je pense qu'on est bon. On n'a pas de mouton, on n'a pas de prime. Ça, c'est super cher. Non, j'ai oublié les fléchettes. Parce que j'ai quelques fléchettes. J'ai amélioré un fusil et j'ai quelques fléchettes. Ah oui, c'était ça. J'en ai que 16 parce que j'étais en train de refaire de la poudre. Pour ensuite faire de la poudre à canon. Voilà, super. J'ai oublié. Bah, bravo! Bon, et eh ben j'attends un tout petit peu de refaire quelques fléchettes supplémentaires et on décolle. Bon, bah il est 20 h et quelques, hein, forcément, on part le soir. Alors, où est-ce qu'on va? Je prends un petit carnet, j'ai noté plein de choses. Vous m'avez donné un endroit où il y avait normalement des castors, donc je crois qu'on va les voir. Et il y a aussi toutes les grottes à faire avec le tigre, la neige où on n'a quasiment pas été. On est pas mal! On est pas mal du tout! Ah oui, il va falloir commencer à tuer de l'alpha aussi. Du coup, je crois qu'on va prendre l'argent Tavis avec nous, qui peut être pas mal pour, comment dire, pour farmer un peu les alpha et XP. Parce qu'au début, il va être un peu mou, ça va être un peu compliqué, mais au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux. Ouais, on va le prendre, on va faire ça, parce que si on veut des runes pour commencer doucement les quêtes de la map, pour avoir un jour notre Fenrir. Il va quand même falloir qu'on tue de l'alpha. Ok, lâcher de bouboule. Voilà. Ok, là on est vraiment équipé. Donc, vous m'avez dit 94, 32. Ah oui! Ah oui, on n'a pas été par là. Ah oui, on va à l'opposé. C'est vrai qu'on n'a pas trop été par là. Bah écoutez, on va y aller alors. Ok, changeons un petit peu de coin. On arrive d'autres. Ah oui. On va faire ça. Même si c'est pas non plus miraculeux. Ouais, voilà. C'est quand même mieux. On a quand même un peu moins froid. Et du coup, c'est vrai que cette zone-là, on n'est pas venu encore. C'est découverte. Voilà, on va aller. Bah, on va découvrir un peu par là. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est pas une mauvaise idée du tout. Ah. Est-ce qu'on arriverait sur une zone de Wyvern? C'est un petit peu le truc qui dit attention Wyvern. Non. Ça c'est bien. Lâche ta carte. On va se promener tranquillement. 22 sur 200. Eh ben, on n'est pas au bout. Oh, Quetzalouné! Oh, une chauve-souris. Ah non, c'est. Oh, c'est le petit piaf! Et là, il est tout seul. Oh, ça vaut le coup de le faire. Oh, et si on arrive à tuer un bronto. Ah non, ils sont deux. Oh, si on arrive à tuer un bronto. Attendez, attendez. Oh, faut qu'on teste. Faut qu'on teste avec une pique proie. Faut juste qu'on mette. Attends. Juste que j'arrive à descendre. Ouais, là, il y a un carnot. Ouais, attendez, les copains. Que j'arrive à descendre sans faire des katas. File-moi tes sacs de couchage. On va tester un truc. Sac de couchage. Voilà. Passif. Et on sort l'argent Tavis. Et avec l'argent Tavis, on va essayer de tuer des gros trucs. Ah. Pour se faire un copain. Alors, eux, t'as pris plein de niveaux. Oh, pas tant que ça. Est-ce qu'on va réussir à tuer un bronto? Ce serait bien de réussir à tuer un bronto. Ouais, est-ce qu'ils sont trois? C'est vite la cata, à mon avis. Voilà. On va faire très attention à nos vies. J'ai pas regardé les niveaux des brontos. Allez, ça peut le faire. Ça va être Tandax. Ça va être Tandax. Mais là, les petits pioux, s'ils arrivent à manger ça, ça va être top, top, top.
Mais ça va faire XP. J'ai tué quoi, là? Attendez, attendez. J'ai du mal à m'y retrouver. J'ai tué quoi? Où est-ce qu'il a eu de la viande? Oula, mais il y a quoi qui... Il y a... Ah, c'est les vaches! Oh, mais c'est la guerre! faut réussir à tuer quelque chose, là. Parce qu'il y a les piaves dans le coin. Allez. Allez. Comme ça, on en a un autre. Oui, le... Oui, oui, oui. On va essayer de tuer celui-là. Parce que, alors, à mon avis, c'est les piafs, ils mangent du bronto. On est quand même plutôt pas mal. Cette fois, on n'en a pas 20 qui nous tournent autour. Donc, c'est vachement plus valable. Oh, on voit plus rien, par contre. Hein. Je vois plus rien. Hop, on va regarder après, une fois qu'on aura nettoyé... au niveau du timing, c'est que ça en est. Ah, l'autre là-bas, il est presque mort aussi. Oh, y a des vaches de mortes aussi. Et les petits pioux là. On vient manger. Ouais, voilà, manger la meumeu. Ok, regardez, il y a encore un bronto là, les copains. On va aller retuer l'autre là-bas. Pourquoi je me mets en attaque? Mais c'était moi, ça. J'ai pas besoin de me mettre en attaque, moi. Hop. Moi, j'avais pas besoin, par contre. Ils sont où, les petits piafs? Attendez, parce que... Ils sont où? Ah, il l'a mangé. Donc, attends. Attends, mon petit. On en est au niveau du timing. Oh, il me reste plein de la dernière... Non, tu blagues. Je comprends pas, là. Je comprends pas. Vous avez mangé deux brontos? What? Mais vous avez mangé des brontos? Comment ça? Comment ça, vous avez pas plus que ça avec des brontos? Attends. On va les mettre d'accord, eux, là. Allez. Allez. Ne mange pas. Bon, là, il le mange. Tout va bien, l'argentaviste, t'inquiète. Donc là, il le mange. Miam, 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 miam. Bonsoir. Il y a un bug dans la matrice. Non, 06, c'est celui-là? Non. Il y a un bug dans la matrice. Notamable? Notamable. Ok, d'accord. Écoute, bah... oui. Bah, écoute. Ah, ok, pas de problème. Bah, vite à vie, hein. Bon bah j'ai froid malgré ma potion, qui est vraiment pas magique, hein. On est vraiment pas dans de la super potion magique. De la flotte, mais pas de castor. Ah, on a plus froid. On a froid, on n'a pas froid. On a froid, on n'a pas froid. Si je vais dans la neige, je suppose que là on va avoir très 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 froid. Très 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 froid. Ouais, ouais, là on a très très froid. Je croyais qu'il y avait une grotte. Oui, oui, bah on va passer vite. Oh là là, c'est beau. C'est beau comme quoi. En plus, là, de nuit et tout, il y a un petit côté un peu flippant. Un petit peu impressionnant, mais je trouve que c'est très joli comme coin. Coucou les loups. Je trouve que c'est vraiment joli comme tout, comme coin. Bon, bah, il va nous falloir de la fourrure, hein, définitivement. Il va falloir qu'on farme la fourrure. Mais sans mourir de froid. Il y a un truc là-bas. Alors, le soleil se lève. On a encore des bateaux ici. Et si je suis les indications, on est censé... ouais, on est censé être pas loin des castors. Mais sauf que là, on est en bord de mer. Ou alors, il y a des castors là-dedans. Pas là. Peut-être au-dessus. Et les castors en bord de mer, bof bof, il y aurait des castors ici. J'ai un problème de castor, hein. J'ai un vrai problème de castor. D'ailleurs, en plus de pas trouver de hutte, je ne vois jamais de castor. Ok. Carnot, as-tu vu des castors? Ou les as-tu peut-être tous mangés? Ah, ici, il y a un barrage. Ici, il y a bien un barrage. Oh, bah voilà, il y a un castor. Bah, mon vieux, c'est pas tous les jours, hein, qu'on voit des castors. Salut les copains! Salut, salut! Bah, dis donc! Bah, j'ai cru que. J'ai cru qu'on vous trouverait jamais, hein! Ah ouais, il y a une hutte là-bas. Waouh! Bah, merci pour vos indications, parce que.
J'ai vraiment cru qu'on n'aurait jamais de castor. Donc, on regarde un peu les niveaux pour dire. Voilà, il y en a du monde. Il y en a du monde. Castorouné. Ouais, c'est des petits levels. Je crois que ça va être surtout la hutte hein, qu'on va prendre. Mais le problème, c'est que là, hop, il y a des piranhas. Ça va être... ouais. Ça va être un peu tendax d'aller à la hutte, mais... ça va le faire. J'y vais vraiment à l'arrache. Je prends vraiment ce risque. Bof, hein. Attendez, est-ce qu'elle s'ouvre déjà? Parce que la dernière fois qu'on a vu une grosse hutte, elle ne s'ouvrait pas. Ouais, tanière de castor géant, ça ne s'ouvre pas. Donc c'est juste la petite hutte qui serait tout là-bas. Bon, au moins, on a vu où il y en avait. Il y en avait normalement au niveau des châteaux aussi, mais alors ça, il n'y en avait pas pour nous. Hein. Ah oui, là, il y a un petit caillou. Mais regardez-moi ça comme ça. Ah, il y a un petit caillou et un petit castor. Montez. Ouais, ça... Oh, oh. Ça passe! Swiffer, tu chies dans la colle, Swiffer! Pourquoi il s'est envolé? Pourquoi il s'est... Non! Et merde. Pourquoi il s'est envolé? Mais quel con. Monte! Mais pourquoi tu t'es barré? En plus, t'es en passif. Oh là là, Swiffer, sérieusement. C'est bon. On a donc 200 ciments. Le bois, on va le jeter parce qu'on va être beaucoup trop lourd. Bah voilà, 200 ciments, c'est déjà ça de prix. On a failli avoir un drame, mais tout va bien. Tout va très 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 bien. On peut pas compter sur Swiffer, c'est tout, on le sait maintenant. Voilà, allez vous faire bouffer par l'allosaure. Voilà, merci. Bon, petit coup de pression, mais tout va très bien. Tout va très bien. Du stress? Non, easy. On a l'habitude. Voilà, voilà, voilà. Bah, il y avait peut-être des trucs bien dedans, hein. Peut-être, hein. On saura pas. Bon, c'est dangereux vu le monde, mais je voudrais récupérer un peu de... Non. Non, non. Non, on récupère rien du tout, là. Non, là, 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 non. Non. En fait, on récupère que dalle. Non, bon, si on veut récupérer de la fourrure, il va falloir sortir l'argent, Tavis. Il n'y a pas de choix. Pour le moment, je n'ai pas froid. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, il y a les buveurs de bière. Il faut que je lance ça aussi. Bah, écoutez, je pense qu'on va mettre le plumeau dans un coin, en espérant qu'il ne nous fasse pas encore des conneries. Et qu'on va sortir un petit peu l'argent, Tavis, juste pour farmer un petit peu de fourrure. Juste une chouille, t'es toujours en passif? Fuite passive! Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi t'es en fuite passive? Alors ça, c'est pas normal du tout. Je n'utilise jamais la fuite passive, je n'ai même pas de bouton pour ça. D'accord, on comprend mieux maintenant. Aucune idée de pourquoi il y a eu une fuite passive. Le tigre, tu le jettes pas, hein? Ok, on va aller manger du mammouth. Oh, il y a plein de chouettes. On va manger du mammouth pour avoir de la fourrure, pour être un petit peu mieux quand on va dans la neige. Oui, oui, allez. Allez, on est sur un argent, ça va aller, ça va le faire farmer un peu en même temps. Et c'est mes mammouths! Non, mais oh! Bah oui, sérieusement, c'est mes mammouths! Oh la vache, et... point de vie, dégâts, et 20. 20? Mais la chouette, elle a tout bouffé, en fait. Sale bête. Bien, on va trouver des trucs à tuer. Ce qui est bien avec Swiffer, c'est qu'on le voit de loin. Du coup, on sait que ça va... Ah, spawn de mammouth. C'est pratique, ça. Regardez-le, comme on le voit bien de loin. Oh là là, par contre, l'argent à vis, c'est vraiment trop mou. Hein. Oh là, tout ce qu'on a là, un pec. C'est trop mou. Ça cogne, mais c'est mou. Hein. Et il faudrait qu'on se trouve une monture terrestre pour se balader un petit peu à pied. Pour faire de la randonnée. Du coup, peut-être un beau poney. Mais je ne sais pas. On n'a pas encore trouvé de... On n'a pas encore tamé de poney, hein, de toute façon. Mais il faudrait se trouver une monture sympa pour randonner.
un peu. Voilà, on a bien éclairé la map. On va aller encore un petit bout par là. Après, il y a tout le côté vraiment droit de la map. On n'a pas fait non plus. Bon, c'est peut-être le moment, du coup. Vraiment dégager la map, qu'on la connaisse bien. Ah, il y a un petit raptor, là. On se le tente. Un petit alpha, je veux dire. Allez, on va se le tenter. Toi, je vais te laisser là. Notre ami Swiffer, lâche-moi cette map. Et on va se tenter. Allez, Moinette. Vas-y, prends ça. Essayez d'avoir nos premières runes. Ce serait bien, nos premières runes. Voir un petit peu ce que ça donne. Et je ne sais plus combien. Donc, les alphas donnent des runes. Mais je ne sais pas s'ils en donnent une. Ou si on en a plusieurs, vous voyez. Parce qu'on n'en a qu'une. On n'est pas à vous. Donc, on va. Il est beau. Hein. Waouh. T'es très beau, copain. Alors, est-ce que ça va marcher? Parce que je pense que c'est un paléoraptor. Du coup, c'est pas dit que ça fonctionne. Vu que c'est pas un alpha classique du jeu. Mais j'espère que si. Allez, ne laisse pas te taper. Vite. Pourquoi je vois pas les dégâts, au fait? Tiens. Ah, tiens. Je remarque maintenant qu'on voit pas les dégâts. Faut le temps, hein. Allez, il saigne bien. Il saigne bien, il saigne bien. C'est vrai que les dégâts, ça permet de savoir plus facilement où on en est. Il faudra que je regarde ça dans mes options. Allez. On a des runes. 6. Oh, ça va. 6 runes. Pourquoi cette pierre est-elle aussi ainsi enchantée? Peut-être que cet obélisque pourrait m'apporter des réponses. Bah oui, c'est pas faux. Ouais, ça va. Franchement, je m'attendais à beaucoup moins que ça. Non, c'était l'argent que je veux. Wouah, ça valait le coup. Oh la vache. Ah ouais, ça valait carrément le coup. Attends, je vais te soigner un peu avant de te ranger. Ouais, bien. Oh, c'est quoi ça? Ah, un skin. Mais c'est que ce truc. Un Terry, ça ferait quand même bien plaisir hein, sur le camp. Bon, il est niveau 85. Le souci, c'est que j'ai pas de piège. Donc, soit il est vraiment coincé et on est tranquille, si je le touche. Soit... Si je le touche. Soit ça va être vraiment un problème. Attendez. Voilà. S'il est vraiment coincé, ça vaut le coup de le tamer. Même si c'est pas bien de se servir des bugs. Bon, 85, c'est pas non plus ultra folichon. Mais pour fermer un peu le bois et tout ce qu'on veut bien sur le camp, moi, je m'en contente. Mais par contre, faut que j'arrête de viser à côté. Attends, on va te mettre des flèches. Peut-être mieux des flèches. Non. Heureusement que t'es coincé, mec. Hein, parce que c'est pas avec... Hein? Comment dire? Attendez, on va mettre ça en même temps, comme ça on verra bien. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Hop. En plus, on a des carottes, donc c'est bien ça. T'aimes pas les carottes? Ah, comment ça t'aimes pas les carottes? Gâteau aux légumes, légumes ordinaires. Si, c'est mieux avec les légumes ordinaires. Si, si, ça va les légumes. C'est juste qu'ils ont mis une fraise, ça m'a perturbée. Allez. Est-ce qu'il faut encore une flèche? C'est pas beau de tricher comme ça. Voilà. Bon, c'était un timing très moche. C'était très vilain. C'était vraiment pas gentil de le tamer comme ça. Et il est quand même pas extraordinaire. Mais pour le camp, moi je vais le trouver très bien hein, pour le camp. Moi je vais l'aimer beaucoup. Qu'est-ce qu'ils volent les petits camcrottes là? Dites-les camcrottes! Bah ouais, bah oui. On va attaquer un gros argentavis. Hein? Avec nos 3 grammes à tout casser. N'importe quoi. C'est moi qui ai les carottes? Non, c'est Swiffer qui a les carottes. Swiffer, il est... pas loin. Il est pas loin, Swiffer. Il est en hauteur. Et puis, bah, il est là, voyez. Et heureusement, et sérieusement, heureusement que mon piaf, il est coloré. Hein. C'est pour ça que je peux pas prendre une autre monture. Je vais la perdre.
Comment vous voulez que je fasse pour m'y retrouver si c'est pas Swiffer? Comment vous voulez que je fasse? C'est pas possible. Pose-toi. Bah sur ma gueule, oui, t'as raison. Bon, moi, tu t'es posé. Allez, des carottes à notre copain. Si on arrive à atteindre son inventaire, ça a l'air d'être bon. Voilà. C'est pas propre. C'était pas propre. Ouais, c'était sale. Mais il va être utile sur le camp. Ah ouais, on est bugué. Ah non, il est là. C'est les petits piafouilles qui étaient... Non, les petits piafouilles, ils étaient pas très... Non, il y a un problème. faudra que ça reset un coup. Bon, on va mettre le suivi. Et on va tourner un peu. Avec Swiffer, toi, je te mets en neutre, tu le gardes. Et on va se tourner avec Swiffer en attendant que monsieur mange ses carottes. Et le... Comment dire? La torpeur, je ne sais plus. La torpeur, ça remonte vite chez le... Ça va. Ouais. Ouais, il va falloir quand même revenir surveiller. Hein. Ah oui, et on a ça à essayer aussi. Oui. Alors, je vais pas mentir que j'ai pas hâte. Bon, ils ont l'air bien, les nouveaux cochons. Mais, ouais, 60. Faudrait qu'on retrouve le très haut level qu'on avait vu une fois. Bon, après, en 60, pour essayer, c'est pas si mal. Oh, qu'il est vilain. Oh, qu'il était vilain. Il était vilain. Non, il était vilain. De vrai. Moi, je trouve qu'il était vilain. Ah, là. Il est un peu moins vilain. C'est 150. D'accord. Alors attendez, parce qu'on va avoir comme qui dirait... Hein. Ah oui, l'autre il est là, j'allais me poser là. On va avoir un... Mais il y en a combien? En fait, il y en a 3. On va avoir un problème de... Déjà, il va falloir qu'on mette des sacs de couchage. Donc 150... J'aurais tendance à dire on fait un petit d'abord. Et après, on tente le 150, non? Allez, on va se mettre carrément là. Cache-toi, Swiffer. Parce que, bah mine de rien, si on se foire, voilà quoi. Peut-être s'essayer sur du petit. Et puis, vas-y, sac de couchage, sac de couchage, sac de couchage. On va mettre ça. On a le miel. Tu as le miel. Nous avons le miel. Avons-nous le miel? Je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Mais on va le faire. On n'a pas peur. On a peur. Oh, on n'a pas peur. Swiffer, du coup, tu restes là. Attends, je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de foutre. Parce que... Ouais, on peut essayer d'aller faire celui-là là-bas, mais c'était pas le plus bas level. Oh, qu'est-ce que t'es beau, toi. Oh là là. T'es magnifique. Mais on n'était pas là pour ça. Attends, Swiffer, c'est pas grave, on a mis des sacs de couchage là, ils sont clairement pas perdus. J'aurais tendance à dire que le plus moche peut être bien là pour tester. C'était le plus bas level, hein. Ouais, 60. Pour tester, vous voyez ce que je veux dire. Vous le sentez, la concentration, là? La concentration à fond les ballons. Je l'ai perdu. Pourtant, c'est pas mis loin. Si, on s'est mis loin. Ah, il est là. Donc attendez, si je balance, mais je sais pas si c'est... Si c'est assez loin, si c'est trop loin, si c'est... Il est où? Mais il est où le cochon? Je peux plus le ramasser? Ah non. Bon. Il a pas l'air d'y aller. Alors attendez. Il va falloir faire attention au terré aussi. Ça va, Swiffer? Je passe. Hein. Mais il est parti là, ce con. Mais il va où? Mais tu vas où, gars? Ah, mais non, mais là, si je te tame et que tu sautes, on est dans le caca. Hein. Si j'arrive. Est-ce qu'il va venir? Pourquoi j'ai plus de miel? Attends, ça a jeté les 4 pots? Les 14 pots?
Oh. Bonjour. Attendez, attendez. Ça a jeté tous les pots tout à l'heure. Oh la loose. Bah bravo. Merde, merde, merde. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Je vais faire. Trop tard. Vite. Parle de chambre. Oh bordel. C'était sûr. Ça court vite. Oh punaise. Oh punaise. Swiffer. Swiffer. Non, non. Passif. Passif. Monter. Se sauver. Ça va. Ça... Ah oui, d'accord. Il a été rejoint de son pote. On va aller voir le Terry s'il y a besoin de le rendormir. Et on retente après. Ok, plus qu'une seule bouchée. Et on sera bon. J'ai réussi à remonter un petit peu avec des narcos. Pour le moment, ça monte, ça ne baisse pas. On devrait être bon, là. Allez, dernière bouchée. Vas-y, mon gars. Ah, bien. On a un Terry. Ah, bah, t'es plus coincé. C'est bien, ça. Un Terry pour la maison. Pour faire du jardinage. C'est un bon Terry. Bon, allez, j'arrête de chanter, il va pleuvoir. Ça, c'est bien, ça. Impeccable, un petit Terry pour le jardin. En fait, je vais arrêter là cet épisode parce que je me rends compte que ça fait 1h30 pour juste cet épisode. Du coup, le montage va m'aider à ce que ce soit un tout petit peu moins long pour vous. Peut-être pas un épisode extrêmement intéressant, mais si vous êtes joueur de Ark, vous savez que Ark, c'est aussi ça. Tourner des heures et des heures et des heures. Prochain épisode, on va s'essayer un peu le petit cochon. Oui, je le fais courir, ça m'amuse. On va s'essayer le nouveau dino, là. Bon, j'appelle ça un cochon, mais on est bien d'accord, ce n'est pas un cochon. Et ensuite, on ira peut-être se faire une petite grotte. À un moment donné, il faudra bien rentrer à la maison pour refaire des bâtiments. Il va vraiment falloir que je me mette à crafter. Sur ce, je vous fais des bouchous et je vous dis à demain. Time flies, close your eyes, imagine you could see everybody else.